Bonjour à vous, bienvenue dans un nouveau Action. J'ai trouvé pas mal de choses pour cet été. Je suis super contente. Franchement, ils font des efforts. Moi, ça fait plus de 2 ans que je vais chez Action et il y avait des produits que j'avais jamais vu l'année dernière. Donc du coup, je suis contente. Donc voilà. Et je vous montre tous mes petits achats tout de suite. Je me suis pris en premier cette petite caisse que je trouve trop mignonne. Elle est de cette couleur-là. Il n'y avait que cette couleur-là qu'il y avait. Bah oui, elle est que ça, voilà. Et donc, elle est grise. Et là, vous avez un petit tiri-kiki si vous voulez mettre une petite affiche pour savoir ce qu'il y a dedans. Et là, vous avez, ça fait trop de bruit, 2 petits onces denses comme cela. Et donc, voilà, le couvercle, il s'ouvre comme ça. Tout ce qu'il y a, trop de bruit, tu le bruit. Tout ce qu'il y a de plus simple. Je la trouvais plutôt jolie, donc du coup, je me suis laissée tenter. Et ça, je vais la mettre dans mes toilettes. En parlant de toilettes, j'ai pris ceci. Un petit écriteau où il y a marqué toilette. Voilà, il est blanc. Les finitions sont pas top. Il y a des petites taches. J'essaie d'en prendre un autre, mais c'était grosso modo toujours la même chose. Et là, vous avez une petite cordelette. Donc, voilà. J'ai pris des petites piles Duracell. C'est des AAA. Et à l'intérieur, vous en avez 12. Que voilà. Cette petite boisson-là que j'aime beaucoup, même si je trouve que le bouchon est un peu dur à dévisser et me fait mal aux doigts. Mais voilà, c'est une boisson à l'aloe vera. Dedans, vous avez 30% d'aloe vera. C'est marqué dessus. Vous voyez les petits copeaux qui dansent et qui chantent. Et donc voilà, et ça fait... Combien ça fait? Bon, ça fait 1,5 litre. Petite gourmande que je suis, j'ai pris des petits bonbons comme ceci. À la pomme, je pense que vous les avez vus dans d'autres hauls parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Donc j'ai pris ceci à la pomme et j'ai pris les mêmes à la fraise. Ça a l'air plutôt bon. Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ceci pour information. Hop là. Et pour information, c'est à la là. C'est bon, mais je pensais que ça pique et en fait ça pique pas du tout. Mais c'est super bon. Mais c'est vachement sucré, normal, c'est des bonbons. Hein. Ceci, c'est un petit truc do it yourself. C'est une espèce de petite boîte avec des lettres que vous devez construire vous-même. Oups là. C'est une light box, voilà. Donc à l'intérieur, vous avez... Hop là. Qu'est-ce qu'on a donc à l'intérieur de ce truc? Oula. Bordel. Vous avez des espèces de petits plateaux comme ceci. Vous avez des petites LED. Vous avez des petites affiches comme cela. Il y a ces 3 affiches-là différentes. Et donc, tout ça, c'est à assembler, à créer, à faire vous-même. Je pense que je vais l'offrir à ma petite nièce. Si j'arrive à rentrer tout dedans... Bon, on fera ça plus tard. Bref, il y avait d'autres pancartes différentes. Moi, j'ai préféré celui-là. De toute façon, j'avais pas beaucoup le choix. Et donc, voilà, à tester, à faire. Vous allez peut-être me trouver un petit peu speed, mais il faut que j'aille au boulot. Donc, du coup, je me dépêche de faire ce haul parce qu'après, je dois aller au travail. Je me suis pris des petits stickers trop mignons. Ils sont comme ceci. Franchement, ils sont trop choupi. J'adore. Moment de silence. Non, franchement, ils sont trop choupi. Et ça, ce sera parfait pour décorer l'album de bébé. Il y a une petite bûche là. Elle est trop mignonne. Trop mignonne. J'avais vu dans des hauls et je pense qu'ils se reconnaîtront, ce petit couple. Les nougats, comme ceci, c'est des nougats au caramel mou. Donc apparemment, ces trucs-là, c'est une tuerie. Il y a le mari qui est tombé dedans. Donc du coup, j'ai dit, pourquoi pas tomber dedans également. Donc à tester, à voir, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Je me suis pris des espèces de petits trucs comme ça, des espèces de pains de glace. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ice pack. Pack de glace, voilà. Ils sont vraiment tout petits. Ils font cette dimension-là. Je les trouvais trop chou. Et donc voilà, je me suis laissée tenter, même si j'en ai pas vraiment l'utilité parce que j'en ai des grands. Mais je me suis dit qu'ils étaient trop mignons. Je ne pouvais pas les laisser comme ça dans le magasin. Non. Attention, glamour, sexy, en veux-tu, en voilà. Je me suis pris cette petite brosse de chiottes. Pareil, pour mettre dans ma salle de bain. Oh, par contre, c'est nul. Le truc, quand vous l'enlevez, il faut faire attention. Les ciseaux. Ils sont où les ciseaux? Ils sont là. Donc voilà, j'ai pris ce motif-là. Je trouve que ça fera plutôt pas mal dans mes chiottes. Hop là, donc voilà, c'est tout con. Magie. Une brosse à chiottes, voilà, sexy. Par contre,
contre, ça pue. Hein. Ça sent pas très bon. Hein. Donc voilà, brosse à chiottes pour les chiottes. Décidément, j'ai pris que des trucs pour mes toilettes. D'ailleurs, bientôt, je vais vous faire un toilette room, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai pris ce petit déodorisant d'air. Il y a des petites bulles dedans. C'est à quoi, chérie? À la cerise. À la cerise. Donc voilà, je trouvais que c'était trop, trop mignon. Je ne connais pas du tout l'efficacité de ce produit. Je ne sais pas si ça dure longtemps ou pas longtemps. On verra, on testera. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Alors, j'étais là, dans le rayon. C'était le rayon quoi? C'était le rayon truc pour les bébés. Et je suis tombée sur ceci. Des marshmallows spécial barbecue. J'avais jamais vu ça. Et en plus, c'était là, abandonné aux yeux de tous. Et ben moi, j'ai sauté dessus, je les ai pris. Donc voilà, donc des chamallows. Ils ont l'air énormes. Je vais pas les ouvrir. Hein. Même si je suis un petit peu tentée, mais non. Donc voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils disent? Bah guimauve, hein, voilà, voilà, voilà. Et il y a 400 grammes. Et donc apparemment, ça c'est spécial barbecue. Et à l'intérieur, vous avez 6 petits bâtons. Donc voilà, j'ai trop envie. Je vais aller faire un barbecue de ce pas. Ça, ça me tente super bien. J'ai pris ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ta merde? Attendez, je vous l'ouvre. C'est une espèce de petit truc comme ceci. Quand vous faites un barbecue, par exemple, quand vous mangez dehors, tout simplement, c'est un espèce de petit... voilà, le petit chou comme ça. Hop, hop là. Un petit chapeau comme ceci que vous mettez sur vos aliments pour pas que les petits frelons, les petites abeilles, les petites mouches, les petites conneries comme ça, eh ben, elles aillent bouffer vos chamallows. Donc voilà, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Je trouvais que c'était plutôt mignon. Il y avait plein d'autres coloris différents. Il y avait du bleu, du rouge, du jaune. Donc voilà, moi j'ai pris le bleu. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. C'est trop mignon, la petite dentelle et tout. La petite franfreluche. Donc voilà, à voir si j'en ai vraiment une utilité comme la plupart des choses que j'achète, n'est-ce pas? Rayon loisirs et créations, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé ces espèces de petits trucs-là en résine. Je trouvais que les modèles étaient trop trop choupis. Il y avait plein d'autres coloris différents. Il y avait du blanc, blanc, il y avait des dégradés de saumon à rouge. Et je crois qu'il y avait des violets. Moi, j'ai préféré ceux-là. Ma couleur préférée, c'est cette rangée qui est là. Les autres, je les trouve pas top, top, top. Donc on va voir à quoi ça va me servir parce que pour le moment je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Voilà. On retourne dans le sexy glamour. J'ai pris ceci, des serviettes hygiéniques Fema Pure. Voilà, elles sont plutôt pas mal. Après, vu que je viens d'accoucher, j'ai pas pour la petite histoire, j'ai pas des règles super abondantes. Donc ça fait très bien l'affaire. Voilà, voilà, vous connaissez ma vie. Cette petite crème-là, j'avais vu dans un haul qu'elle était bien. Donc du coup, vu que j'ai vu que c'était bien, ben je l'ai achetée. C'est de la marque L'Oréal. En fait, c'est une crème hydratante, protectrice et illuminatrice. Attention, la crème, elle fait presque la vaisselle toute seule. Hein. Elle se présente comme ceci. Et comme vous l'ouvrez, et ben ça sent super bon. Elle est comme ceci, la texture. Ah, j'ai les doigts dégueulasses, super, je vais pourrir ma crème. La texture, elle est comme ceci. Ah, c'est froid! Mon dieu! Comme ça, je vais être toute grasse pour la suite de la vidéo. Par contre, c'est bizarre, c'est une L'Oréal, mais ça sent un peu la Nivea. C'est trop chelou. Hop, voilà, 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 je suis hydratée, je suis hydratée. Je suis hydratée. Continuons, les amis, continuons. J'ai ensuite pris ceci. Ce sont tout simplement des pics à cocktail. Mais moi, je vais les utiliser comme cure-dents. Donc voilà. À l'intérieur, vous en avez 1000, 2 x 500. De content vous dire que vous avez de quoi vous curer les dents. Il n'y a plus d'excuses. Il y a un petit truc là, t'as plus d'excuses. J'ai pris ceci et en fait, je ne sais même pas ce que j'ai pris, je ne sais même pas ce que c'est. C'est marqué fraîche green thé et citron, donc du thé et du citron, maison Khalidi. Un spray, je pense que c'est un spray d'intérieur. Comment ça se passe? Ça sent super bon, donc c'est un spray d'intérieur. Voilà, hop, hop, je spritise mon intérieur. Et ouais, ça sent plutôt pas mal, ça sent beaucoup le citron. Ah, j'aime beaucoup, ça sent super bon. Ça sent super, super, super bon. Par contre, tout est marqué en anglais derrière. Donc voilà, merci de me faire la traduction. Merci, merci beaucoup. Alors cet article-là, je l'avais vu l'année dernière, j'avais tellement envie de l'acheter. En plus, j'étais en cloque, j'étais enceinte comme une baleine. Mais cette fois, ça y est, je l'ai acheté. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel, vous allez me dire? En fait, c'est un petit truc comme ceci. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, ok? Et ensuite, je pense, ouais, il faut mettre des piles.
AA, celle que j'ai pas achetée bien sûr, normal. Et en fait, vous allez avoir un petit ventilo qui va tourner, donc ça vous fait de l'air. Et en plus, vous pouvez vous vous envoyer de l'eau sur la figure. Donc du coup, ça vous fait deux en un. Et ça, j'ai trop hâte qu'il fasse chaud pour pouvoir tester. Au boulot, je vais être comme ça. Ça va être top, ça va être mon objet favori de l'été. Bisous, bisous. Je me suis repris encore et toujours des petits sacs pour le bébé. Ne regardez pas ma poitrine, attention. Donc des sacs à couche. Franchement, ces sacs-là, je vous en parle presque à chaque fois. Ils sont top, top, top. Vous en avez 100 à l'intérieur. Et ils sont censés être parfumés, mais je ne s'en trouve pas qu'ils sont très très bons, qu'ils sentent grand chose en tout cas. Et donc voilà, ces sacs-là, ils sont top, top, top. La petite fait du taille 3. J'arrive à mettre 4 couches à l'intérieur. Donc franchement, top. Ensuite, j'ai pris des machins. Mais décidément, tout fait du bruit ici. Des machins comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de petites torches. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait blanc, mais il n'y en avait pas assez des blancs. Moi, je voulais que des blancs. Il y avait jaune, il y avait vert et il y avait rouge. Donc, en fait, ça, c'est des trucs qui se rechargent. Vous avez un petit joli cliqui qui se recharge à la lumière solaire. Et là, vous avez un petit bouton. Le petit bouton, ça fait 10 secondes que j'essaie d'appuyer dessus. Mais en fait, vous pouvez le bouger. Et quand ça se recharge, ça vous fait... Ah bah, ça ne fonctionne pas. Hop. Super. Pourquoi tu ne marches pas? Peut-être qu'il n'est pas assez rechargé. Bref, est-ce qu'il y en a un qui marche? Parce que j'en ai pris 4 en tout. Voilà. Celui-là, il fonctionne. J'espère que les autres fonctionnent. Je verrai ce soir. Et donc, en gros, quand le soleil s'éteint, eh ben, ça vous fait cette couleur-là. En fait, c'est pas bleu, c'est violet. Stop à l'arnaque, quoi. Et ça éclaire pas de ouf, de ouf, de ouf. Mais du coup, peut-être que la nuit, ça fait beaucoup plus joli. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ça valait vraiment pas cher. Enfin, quoique si, quand même. Je crois que ça valait 2 balles. Bon, on verra à tester. J'espère que ça va durer. Et voilà. J'espère que ça va pas se péter. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pris ensuite un petit gel douche pour mon mec. J'ai pris Adidas. Ça changera un petit peu du Axe. Team Force, ça fait tête, visage, cheveux et corps. Donc voilà, j'ai vu la couleur, j'ai kiffé. Je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal. Ça sent super bon. Ça sent la piscine, ça sent l'odeur. Vous savez, quand tout le monde se lave à la piscine, ça a une odeur, je trouve. Et en fait, ça sent, bah, ça sent la douche de tout le monde. Hein. Moi, je trouve que ça sent super, 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 super bon. J'ai ensuite pris... Ça fait du bruit, encore du bruit. J'ai ensuite pris ceci. C'est une espèce de bouillotte. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des graines de cerises. Merci beaucoup. Et en fait, donc c'est une bouillotte. Vous l'aspergez un petit peu. Vous la mettez une minute au micro-ondes. Et donc, ça va vous chauffer. Et donc, elle fait... Ça sent bon. Ça sent trop bon. Et donc, en fait, ça fait cette taille-là. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour le côté bouillotte. Vous entendez? J'aime trop. Je l'ai pris pour plus tard, pour faire un petit jouet sensoriel à ma petite. Parce que je trouvais que la texture était trop, trop marrante. J'aime trop. Donc voilà, ça lui fera un espèce de petit jouet sensoriel. Après, je vous ferai des vidéos sur les jouets sensoriels parce qu'il faut que j'en crée aussi. Et donc ça, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Et puis, j'aimais beaucoup la couleur. Donc voilà, je me suis laissée... Tentez. Ça sent trop bon. Ensuite, j'en ai marre de dire toujours ensuite. Il y a un pigeon dans mon jardin. Ces petits trucs-là, c'est des espèces de tic-tac. Je les trouve trop, trop, trop bien. Vous en avez 50 à l'intérieur. Et moi, je les achète à chaque fois presque que je vais chez Action. Des petites pinces à linge. Tout ce qu'il y a de plus classique. Comme ceci. Parce que moi, j'en avais... Je sais pas si vous regardez le rayon pinces à linge. Si vous passez votre journée dans le rayon pinces à linge de chez Action. Bref. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolies, mais moi, j'ai fait la connerie de les laisser tout l'hiver dehors, et elles se sont toutes éclatées une par une. Elles ont des espèces de petites fleurs là sur les embouts, et bref, elles ont pété. Donc du coup, je me suis rabattue sur les classiques, 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 en espérant qu'elles soient un petit peu plus résistantes, voilà. Pour la petite louloute, j'ai pris ceci, je vous le déballe. C'est un espèce de jouet pour le bain du monde de Nemo, du monde de Dory, de toute façon... Dans le même monde, hein, c'est dans la mer tout ça. Hein. Donc moi j'ai pris, il y en avait plein, il y avait Nemo, il y avait le poulpe, il y en avait d'autres, bref. Mais moi j'ai pris celui-là parce que tout simplement je pensais qu'elle arriverait plus facilement à le prendre. Puis de vous à moi j'ai déjà le petit Nemo. J'ai pris la petite raie, je crois que c'est la petite raie qui les emmène à l'école. Oh, on va à l'école! Je me souviens plus de la chanson, je vais vous la mettre là. Énumérer les espèces qu'on trouve dans l'océan. Donc c'est la chanson de la petite raie, et donc c'est la petite raie qui les emmène à l'école, et je la trouvais trop trop mignonne, et la finition elle est plutôt
pas mal. Donc ça, ce sera pour le bang. Un petit tigli-kiki que je trouvais trop trop mignon de cette couleur-là. Il y en avait d'autres, il y avait plein d'autres couleurs comme d'habitude, hein, le jaune, le rose, le rouge. Il y avait ce motif là en espèce de petite fleur et il y avait aussi le motif avec un petit oiseau et toujours avec ce petit truc là. Et moi j'ai pris celui-là, je trouvais qu'il était trop 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 joli. Je vais juste lui accrocher sur sa poignée de porte à la petite, sa poignée de porte d'armoire. Voilà, parce que je trouvais ça trop trop mignon. Il est quelle heure? Faut que je me maille, il faut que j'aille au boulot, Ensuite j'ai pris un petit carnet comme ceci. C'est le Unique Story. Voilà, je trouvais que les motifs étaient trop trop choux. Je vous les montre vite fait, rapido, l'auto. Hop, même si on voit pas grand chose. Et voilà, j'ai trouvé franchement qu'ils étaient trop trop mignons. Et ça, ça sera pas mal pour faire des cartes. Ou pareil, pour décorer l'album de bébé. Et en fait, moi, mon préféré, je vais vous le trouver tout de suite de ce pas. Voilà, c'était celui-là, c'était les petits piou-piou. Je le trouvais trop trop mignon. Donc vous avez des pages recto-verso et vous avez les motifs qui se répètent deux fois. Du coup vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes fan des petits piou-piou, vous pouvez les utiliser. Vous voyez, par exemple là, ils sont ici avec derrière comme ceci, que je trouve trop trop chou. Et il y a aussi les petits piou-piou ici avec le motif comme ceci. Mais en fait c'est le même motif, voilà, c'est exactement la même chose. Du coup vous pouvez quand même utiliser les deux motifs. Donc du coup vous avez compris, voilà voilà. La fille qui te fait un haul en 2-2 parce qu'elle en peut plus, parce qu'il faut qu'elle aille au travail, hein. Ensuite, ceci, une espèce de petite glacière. Enfin, c'est pas vraiment une glacière, c'est un truc pour transporter. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu qu'on va à fond, que des trucs qui font du bruit, je vous le déballe. Elle fait 8 litres. Il y avait ces autres coloris là. Et franchement, je les trouvais vraiment pas jolis. De vous à moi, de vous à moi, de vous à moi. Oh, ça pue, par contre, ça sent pas. Ah, ça sent pas l'été là, hein. Ah non. Donc voilà, comment ça se présente, comme ceci. Elle est assez grande, hein. Vous avez une grande pochette ici. Par contre, c'est isotherme ou c'est pas isotherme? Je sais même pas si c'est isotherme. Sac glaciaire. Bon, écoutez, ouais. Là, vous avez une autre petite pochette. Et en fait, je pense que c'est isotherme. Ouais, c'est bien mal tassé. C'est isotherme, mais sauf que vous n'avez pas la couleur isotherme. Je pense qu'il y a une doublure à l'intérieur. Et là, j'ai un fil rouge. Allez comprendre pourquoi j'ai un fil rouge alors qu'il n'y a aucun fil rouge dessus. Mais donc voilà, la petite pochette isotherme. Et ensuite, l'article que je suis la plus contente, la plus fière de toutes, j'ai pris un parasol comme ceci. Je l'ai pris de cette couleur bleue. Vous avez vu, tous les trucs d'été, je les ai grosso modo pris bleu. Et en fait, comment ça se passe? Il y avait des parasols tout con. Mais moi, j'ai préféré celui-là parce qu'il était inclinable. Ouh, pétard! Oh, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir en direct. Hop là, attention. Ouh. Il y a aussi un fil rouge. Pourquoi j'ai un fil rouge en un parasol alors qu'il est bleu? Ah, oui, j'ai fait un petit cri de douleur, hein. Voilà, je suis belle, je suis trop belle. Et il est énorme. Et franchement, il est trop bien parce qu'il est inclinable. Oh, c'est magique, vous voyez? Hop, il s'incline comme ceci. Il s'incline pas de ouf, hein. Il s'incline que dans un sens, en plus, le bordel. Mais bon, il s'incline quand même. Donc voilà, je le trouvais plutôt beau. Faut pas imaginer que je pète mon aquarium. On n'est pas bien. Donc voilà, du coup, j'ai même pas assez de recul pour vous le montrer en entier. Mais bon, vous avez compris le truc. Hein, c'est un parasol et voilà, il est plutôt joli. Donc voilà, voilà le parasol, le parasol. Et vous avez le pied, hein, pour le planter dans le sable où vous voulez. Donc voilà. Et vous avez la petite pochette. Elle est où la petite pochette? Je ne vais jamais réussir à la ranger dedans, comme d'habitude. Et pour information, le parasol, il fait 2 mètres. Donc, vous avez de quoi vous mettre à l'ombre. Et ce que j'aimais bien, avec la petite pochette... Allez, rentre! J'arrive jamais avec les yeux comme ça. Ah, ça me fout. Bref, ce que j'aimais bien avec la petite pochette, c'est que vous avez un petit tire-li-kiki comme ça. Pour du coup, vous le mettre... Mets-toi ton parasol! Non, vous l'accrochez dans le dos. Ah, ça m'a saoulé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je te rangerai ce soir. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Umbrella bitch. C'est marqué dessus. Hein. Et voilà, le petit haul, il est fini. Et c'est parfait parce que je suis pile poil à l'heure pour aller au travail. Je vais me faire un petit coup de chicot et préparer ma petite gamelle. Et je vais filer au boulot parce qu'il est temps. Demain, c'est le week-end. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé. Arrête de faire du bruit.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, à lâcher des pouces en l'air, à lâcher des pouces en bas. Non. Bref, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Il y en a plein, 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 plein. Bref, je vous souhaite un très très bon moment, une très très bonne journée, des très très bonnes vacances, tout ce que vous voulez, un joyeux Noël, une bonne année, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.